Léon. Bienvenue chez Windmarks Industries. Merci, monsieur. Alors Léon, tu pionces? Non, non. C'est juste que... Ouais, Windmark t'a encore donné une chier de boulot. Putain, il fait chier celui-là. Hein, ouais, hein ouais. Eh ben écoute, viens, j'ai appelé Stéphane, on va se boire un petit café. Je dois finir le... Mais tais-toi, allez, viens. Non mais je te jure, hier, la meuf, elle débarque dans mon bureau comme ça, genre... Ouais, dis donc, Richard, tu pourrais taper un peu moins fort sur ton clavier, on s'entend plus travailler, quoi. Elle est sinon quoi. Non mais moi c'est pareil. Moi j'ai Winmar qui vient dans mon bureau, qui me regarde, qui fait. Dis donc Stéphane, j'ai eu votre historique internet. Faudrait plus que ça se reproduise, hein. Non mais de toute façon pas Winmar, c'est que ça a du chiffre. Y'a plus d'humains, Attends, nous complètement mec. Mais attends, parce que nous pendant qu'on se tape des heures sup le week-end, lui, il se la coule douce dans sa Lamborghini. Mais c'est... Claire, y a rien à foutre, Stéphane. Toi et moi, on est sur la même longueur d'onde. Aux petits employés. Et à nos futures augmentations. Bon, bah moi faut que je retourne bosser, hein. Sinon Winmark va me tomber dessus. Et on se retrouve à la post-bouffe? Ouais, à toutes. À toutes. Faut que je retourne bosser, sinon il y a Windmark, il va me tomber dessus. Quelle lèche-cul! Ah! 7 ans que je me le coltine, ce con! Oh! J'en peux plus, il me saoule. Et toi, Léon, ça fait combien de temps que tu bosses chez Windmark Industries? Ça va faire 5 ans. 5 ans? Oh putain! Et moi j'ai l'impression que c'était hier que t'as débarqué ici. Oh! T'étais musicien avant, c'est ça? Ouais, j'étais prof de piano. Ça gagne bien, ça? Pas assez. Tu m'étonnes. Ouais. Oh, putain, 5 ans. C'est fou ce qu'elle t'en passe vite, hein? Ouais. Savoir ce que vous foutez. Alors? Désolé, je pensais à... À quoi? À rien. Bon, je vous rappelle que le temps, c'est de l'argent. Je vous demanderai donc de terminer ce dossier pour lundi prochain. Quoi? Mais j'aurai jamais le temps de... Vous savez que vous pouvez faire des heures supplémentaires. Payer, qui plus est. Oui. Oui, qui?
Oui, monsieur Winmark. Bien. Je vous demanderai de ne pas oublier la chance que vous avez de travailler pour cette entreprise. Ce serait dommage de la perdre. À demain matin. La journée à s'engueuler avec son mec, et après elle ose encore venir me critiquer dans mon dos. Ah, je te jure, quoi. Non, c'est pas possible. Je l'ai en face de moi, je vais lui dire ses quatre vérités, tu vas voir. Pense quoi, Léon? Hein? Je sais pas. Ça va? T'as l'air encore plus endormi que d'habitude, là. Ouais, peut-être. Bah quoi, alors? Eh, tu t'es trouvé une meuf. Mais non, pas du tout. Bah si. Mais non. Bah alors quoi? Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir compris quelque chose. T'es gay? Mais non. Laissez tomber. Bon, mais quoi alors? T'as compris quoi? Faut que j'y aille. J'ai rendez-vous avec Winmark. Ok. Lèche-cul. Clairement quoi. Oh. J'ai compris quelque chose. Vous pouvez pas comprendre. Entrez! Vous vouliez me voir? Oui. Merci. Je tenais à vous féliciter, Léon. Pour votre travail. Bravo. Vous avez réussi à rendre ce dossier dans les temps. Et vous avez fait un travail remarquable. Merci. Non, vous êtes vraiment un élément très important de Winmark's Industries. Je me félicite de vous avoir embauché. Ça fait combien de temps que vous travaillez pour nous? 5 ans. 5 ans déjà. Bravo. Merci de m'avoir fait confiance. Mais je vais vous dire ce qui m'épate le plus. C'est qu'en plus d'avoir rendu ce dossier en un temps record, vous avez en plus, et alors ça bravo, réussi à trouver du temps pour écrire vos conneries. Alors j'ai regardé, Afalsarusum, ça n'existe dans aucune langue. Alors, j'attends vos explications. C'est juste... C'est juste que vous voulez vous faire du fric sur mon dos, c'est ça? Mais non, ça n'a rien à voir, c'est juste des choses que j'ai... Que vous avez? C'est compliqué, je peux pas vous expliquer. Compliqué. Bon. Je vais vous expliquer comment ça va se passer, Léon. Comme je vous l'ai dit, vous êtes un excellent élément de Winmark Industries. Donc, on va vous accorder une deuxième chance. Non. Remerciez pas. C'est normal. Mais alors, je ne veux plus jamais voir vos absurdités là dans mon entreprise. Vous savez, Léon, quand on travaille chez Winmark Industries, on travaille pour le bien de Winmark Industries. Compris? Non. Pardon? Non. J'ai pas compris les conneries que vous me déblatérez. Ça fait 5 ans que je travaille ici. 5 ans que je me fais chier à venir travailler dans cette boîte de merde. Travailler avec des collègues de merde. Tous les jours, je dois vous servir votre café de merde. Je dois supporter votre gueule de merde. Vous voulez pas me virer? Très bien. Je démissionne. Je me casse.
Eh bien, vous êtes viré. Ne revenez plus.